Vous vous souvenez? Ma vidéo? Ne jamais faire confiance à personne. Elle avait fait le buzz. Alors je compte bien refaire le buzz aujourd'hui. Non, je rigole. Je sais pas quoi dire. Cette vidéo, elle avait fait le buzz, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'elle n'était pas intéressante. Non, en vrai, elle mettait en garde beaucoup d'enfants se faisant pirater. Pirater? Par des méchants enfants. Du genre, j'ai trouvé ton mot de passe, je vais pouvoir te piquer tous tes essais et tous tes diamants. C'est ridicule. Mais pourtant, ça existe. J'ai beaucoup de messages du genre, on m'a piraté, etc. On m'a volé mon mot de passe, changé mon email. Mais pourquoi on t'a changé ton email alors que c'est impossible? Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que quand on change son email, t'es obligé d'accepter de ton côté sur ton autre email, le changement d'email. Donc comment c'est possible qu'on puisse te changer ton putain de mail? Par contre, si t'es du genre à t'appeler Maurice du 34 et mettre ton mot de passe LOL123, c'est sûr que là t'as tout gagné. Faites attention à vos mots de passe. Vous savez quoi, mon mot de passe, il est comme ça. En tout cas, il contient 20 caractères, il me semble. Qui c'est qui a envie de me pirater, là? À vous de trouver. En réalité, mon mot de passe, c'est... vraiment mon mot de passe. Vous le donnez. Je suis tarée. Je vais vite le changer, d'ailleurs. Non, attention à vous quand même. Faites pas confiance aux personnes qui vous proposent des VIP, je trouve ça ridicule. Or, coucou, ça va? Tu veux être VIP? Oh oui! Je te donne mon mot de passe ou comment ça se passe? Allez, vas-y. LOL, 1, 2, 3... Ok, t'attends 2 secondes, hein, je me connecte. Oh, je me suis fait déconnecter. Et là, après déconnexion, après 2-3 heures, après 4 heures, après 5 heures, reconnexion. Le mot de passe a été changé. Bah qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Bah tu t'affoles pas, pas taper. Mot de passe oublié, adresse email, et puis voilà. Mais si t'es un gugus et que tu mets pas d'email sur ton MSP, par contre je peux rien faire pour toi. Ton compte il est perdu à jamais. Et puis d'ailleurs, d'où tu vas accepter un VIP d'un inconnu que tu ne connais pas? Quel est l'intérêt? Faites attention à vous quand même, hein. Faites attention à vos comptes. Surtout si vous avez déjà été VIP. Pour vous envoyer un email au modérateur en disant que vous vous êtes fait pirater votre compte, ils vous répondent « Ne pouvons pas exécuter votre demande ». Quoi? Parce qu'ils s'en battent la race, tout simplement. Ils ne veulent rien faire. Et moi non plus d'ailleurs. Donc protégez-vous, c'est comme les préservatifs. Sortez couverts, faites attention aux pirateurs. Allez, bisous!